Le MHSC s'est imposé 1-3 au stade de la Méno face à Strasbourg pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Un succès de poids pour les Hérotais dans la dernière ligne droite du championnat. Le début de match est compliqué pour Strasbourg. Le MHSC peut s'infiltrer assez facilement dans la défense. Les relances des Strasbourgeois sont difficiles face à un premier rideau éroté qui presse très haut. La borde déborde côté droite avant de trouver Mollet à l'angle de la surface. Libre de tout marquage, le milieu éroté croise un tir tendu mais celle repousse au sol sur sa droite. Le ballon revient sur Delors, qui marque d'une volée de l'intérieur du droit dans la cage vide, 0-1, 22e. Un début de rencontre idéal pour Montpellier, qui a réussi à marquer tôt dans ce match. Un avantage amplement mérité, 1 point Strasbourg ayant beaucoup de mal pour le moment à se défaire du pressing des Payadins. 6 minutes plus tard, sur une perte de balle de Martinez, la borde remonte le terrain sur la gauche avant de trouver Mollet et Guignet. Le maître à jouer du MHSC contrôle le cuir et ajuste celle d'un subtil extérieur avec beaucoup de maîtrise, 0-2, 28e. Réaction des Alsaciens, sur un coup de pied de poing magnifiquement enroulé côté gauche par Ciaizi, Martinez s'élève et reprend le cuir de la tête. Le compte détourne mais manque de fermeté dans sa parade et le ballon finit au fond des filets, 1-2, 35e. Contrairement au premier acte, les Montpelliérains peinent à ressortir de leur moitié de terrain et à se donner de l'air. A l'inverse, les coups de pied arrêtés se multiplient pour les Strasbourgeois. Point à l'approche des 20 dernières minutes de la rencontre et le bloc hérotais s'est désormais replié, préférant jouer les contres. Côté alsacien, on peine à trouver la précision dans le centre et la présence dans la surface. Le Payadin enfonce le clou à la 86e minute. Lancé en profondeur, Oyongo se présente dans la surface du Racing mais bute sur celle. Le puits revient ensuite dans les pieds de Delors qui crucifie aisément le dernier rempart alsacien de près. Le doublé pour l'avant-centre de Montpellier.